Bon, je sais pas en quelle année vous voyez cette vidéo. Si vous êtes en 2050, je suis curieuse de savoir sur quel iPhone vous regardez ça. Mes chers enfants du futur, cette vidéo date d'avril 2020. Le monde entier est confiné, chacun chez soi, car un virus mondial vient d'apparaître. Alors oui, on dirait clairement un prank, mais ça fait déjà 45 jours et Macron n'a toujours pas sorti sa caméra pour dire « Je vous ai bien eu, abonnez-vous !» Alors depuis 45 jours, tout le monde s'ennuie. Et moi aussi. Mais pour que les personnes qui me suivent s'ennuient un peu moins pendant 20 minutes, voici le vlog de mes derniers jours où moi je m'ennuie. Donc pour vous, au moins vous ennuyez, vous regardez quelqu'un qui s'ennuie. Je crois que je suis en train de faire le pire vlog de ma chaîne YouTube là, celle. Bonne vidéo les copains. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, oulala, je suis moche. Fais chier. Je viens de me réveiller. Voici mon jus d'orange à ne pas reproduire chez vous. Bon, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Aujourd'hui, je vlog. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, tout le monde m'a demandé de vlogger. Alors que j'ai l'impression que ça va être trop nul puisque tout le monde se fait chier. Mais en ce moment, je me suis refait toute la chaîne YouTube de Zoéla. J'étais zinzin, dingo, coucou, folle amoureuse de cette nana. Et... pourquoi ma voix l'a payée comme ça? Ça m'a redonné l'amour du vlog. Et c'est clair que l'essence de cette chaîne YouTube, mis à part moi qui pleure, c'est les vlogs. Et j'étais en mode mais je vais pas vlogger, ma vie elle est nulle en ce moment, comme celle de tout le monde puisqu'on est tous confinés chez nous. Mais non, je vais tout faire pour m'amuser. J'ai passé un confinement... je suis en train de me battre pour essayer de passer un bon confinement parce que plus les jours passent, plus je... j'ai l'impression que j'arrive plus à parler parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé à un humain. Plus les jours avancent, plus je rame à essayer de passer du bon temps avec ce confinement. Là on est sur un point important pour remonter la courbe et qu'on passe à un bon confinement. Si mes cheveux sont aussi moches, c'est parce que déjà de base, depuis que j'ai 14 ans, je les nique. Mais c'est aussi parce que je suis en train de faire une cure de sérum. Non, une cure de sébum. Regardez mes cheveux, on dirait Sonic. Mais il est temps de les laver. Donc étape numéro 1 pour passer un bon confinement, être propre, être mimes. Là je suis vraiment répugnante. Bon, à la douche. J'ai mis un maillot de bain. Je me suis dit, mets un maillot de bain parce que la dernière fois que t'as posté une photo en lingerie, on a insulté tous tes ancêtres. Alors, si on voit mes épaules, je pense que le FC Snap serait foutu. C'est quoi l'organisation là? C'est quoi les bails? Pourquoi donner un œuf de Pâques comme ça là? Bon, c'est chiant là, moi qui me lave les cheveux. Vous voulez pas que je fasse un montage stylé de ça? Why is everything chrome? Yes. Et voilà, les boucles sont de retour. C'est mieux de faire un montage, non? La cure de sébum. Il y a plein d'avis partagés. Il y a plein de coiffeurs qui disent oui, mais tu peux pas faire ça. Après, j'ai l'impression que aucun coiffeur va te dire non, te lave pas les cheveux pendant un mois. Parce que c'est-à-dire qu'après, t'as plus besoin d'eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tenu 24 jours. Maintenant, mes chers amis, je vais ranger ma chambre. Moi, ma chaîne, elle devrait s'appeler Léna, range ta chambre. Je crois que j'ai plus de fois dit en vidéo, je vais ranger ma chambre que abonnez-vous, genre. Mais je sais pas ce qui se passe et pourquoi elle est comme ça. Mais elle veut pas... genre, elle est pas adaptée à être rangée. Malgré tous les efforts, elle est vachement ingrate et elle s'occupe pas d'être bien rangée tout le temps. Ça fait sens, non, ce que je suis en train de dire? Allez, je vais ranger ce bordel. Mes livres sont tombés. Mais je pense que c'est une bonne excuse pour vous les montrer. Bon, je sais que la plupart du temps on fait des conneries sur cette chaîne. Peut-être à la surprise de certaines personnes, la lecture a une grande place dans ma vie et dans mon bien-être. Alors bienvenue dans Lecture with Léna. Je vous jure que j'ai des bons grands livres, croyez-moi. Sapé comme jadis, c'est un livre sur la mode. Je trouvais le nom très drôle, Sapé comme jadis, Sapé comme jamais, Le monde selon Karl. Ensuite un livre sur le marketing qu'on nous a fait lire à New York, The Power of Positive Leadership, Humans of New York, c'est un livre de photos sur plein de gens qui habitent à New York. Mémoire de la mode de Chanel, que Solène m'avait offert avant à l'époque. Et en fait elle avait acheté sur eBay, du coup là ici il y a une personne qui l'a signé. Et Solène elle a répondu, elle a dit, désolée elle était d'occasion, il était trop cher. 9, bisous je t'aime. Karma Sutra, c'est un livre sympa aussi sur le développement personnel, un livre sur Donna Karan. Ensuite l'autobiographie de Christian Dior, un livre qui s'appelle How to Read Fashion, très intéressant si vous voulez plus
plus développer votre vocabulaire mode et apprendre plus de choses. L'autobiographie d'Alexa Chung, qui est très beau mais que j'ai trouvé nul. Désolée, je n'ai pas aimé. Girl Boss, qui a été écrit par la nana qui a lancé Nasty Gal. Le livre de Caroen Receveur, No Filter. On a le workbook de Girl Boss, genre la suite. C'est inutile, ne l'achetez pas, ça sert vraiment à rien. C'est trop moche en plus à l'intérieur. La puissance de la pensée positive. Dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi. Mais c'est genre tous les messages symboliques du corps. C'est quoi ce livre? Simplifier, organiser et enrichir sa vie. Okay. Rien à voir, le dictionnaire moderne de McFly et Carlito. Ça, c'est ce que je suis en train de lire. C'est lourd, c'est gros. C'est Will Smith qui l'a recommandé sur sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Don't Take Your Life Personally. Votre plan succès, 52 étapes pour le réaliser. Je n'ai pas aimé, je déteste ces livres en fait qui te disent tu vas être plus heureux en 30 étapes, tu vas être millionnaire en 5 étapes. Genre, j'y crois pas, tu vois. La pile de livres est de retour. Et mon but plus tard c'est d'avoir une très grande bibliothèque genre au-dessus de mon bureau, un truc comme ça, qu'avec des livres de mode et de développement personnel, qu'ils soient tous triés par couleur, mais que ça fasse un grand arc-en-ciel, tu vois. Il y a aucun livre jaune. Je m'en fous, le mien sera jaune. Et oui, la mère fouf est là en train d'écrire un livre. D'ailleurs, il faut que je me pose pour finir des chapitres là. Et je veux d'abord ranger ma chambre parce que je peux pas travailler sans ranger, genre. Quand c'est le bordel, mon cerveau il peut pas fonctionner. Comment c'est possible d'avoir autant de fringues? Genre j'ai vraiment des vêtements. Je sais pas comment les ranger sur cintre. Genre ça, comment tu le ranges? Alors je sais pas si depuis une semaine mes goûts ils ont changé, mais c'est quoi ce top horrible? Pour le ranger, tu le mets à la poubelle, c'est tout. Bonjour, ça va pas du tout. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cooking with Lena. D'habitude je l'ai fait en story Instagram, mais là... c'est tout vlog. C'est soit je fais des cookies, soit je fais un moelleux au chocolat, mais je sais pas ce que je veux. Genre mon ventre il sait pas encore ce qu'il a envie de manger là. Nail, tu préfères des cookies ou un moelleux au chocolat? Ah des cookies. Et moi je crois que je préfère le moelleux. Je fais les deux. YOLO. J'ai envie de vous faire croire que je vais les faire moi-même, mais c'est faux. Les deux produits c'est des trucs tout faits. Mais moi comme je cuisine jamais, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de ouf. C'est pas grave si c'est déjà tout fait. Faut quand même que j'ouvre le paquet et que je le mets dans un moule. C'est déjà du travail. Alors déjà faut que je sache où est le moule. Dans DSL moule. Zut. Oh là là j'ai une bête idée. Et si dans mon gâteau au chocolat je mets un peu de pâte à cookies? Genre c'est pas le meilleur remix. Tu vois, vous dites que je fais une vraie cuisinière parce que c'est un truc tout fait, mais je les customise. C'est une bonne idée dans ce que je suis en train de faire. Je suis un peu en train de douter, du coup je demande l'avis à vous, mais vous pourrez me répondre que quand ce sera trop tard. Ça c'est la pâte à cookies. Et genre j'ai une petite boule et je la mets dans mon gâteau. Moi c'est une trop grosse boule. Pas que la taille compte hein, mais quand même un peu quoi. Dans l'émission de Cooking with Lena, lorsqu'un candidat panique un peu, il a le droit d'utiliser son joker, appel à un ami. Mais pourquoi t'as utilisé nos mailles? Ouais, savoir si ce que je suis en train de faire c'est une bêtise ou si c'est une idée de génie. Je sais pas si je suis idiote ou si je suis trop intelligente en fait. Ok, parce que théoriquement, dans la théorie, dans le propos, oui, ça va être super dur et ça va être grave durcir. Putain, merde, j'avais pas pensé à ça. En plus, je suis une grosse conne parce que mon gâteau c'est un moelleux. Allez, ce sera l'inverse de moelleux, ce sera un dur. T'as encore le chocolat de la Saint-Valentin? Non mais jette-le, tu vas clamser par terre si tu t'en manges un là. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat de ce Cooking with Lena? Il est incroyable. On a les muffins Je Hurle et on a le cookie Wesh. Bon, j'ai un peu galéré avec les proportions. Fait genre vous avez pas vu, c'est pas grave. Genre le E, j'aimerais tellement pouvoir le sélectionner et le rétrécir. Nail, viens voir mes gâteaux. Nail, c'est mon petit frère. Et si je l'appelle lui pour venir goûter mon gâteau, c'est parce que quand il était petit, son surnom c'était Winnie l'ourson. Je l'appelais comme ça parce que toute sa life, il est en train de manger. Il adore les gâteaux, chocolat, sucreries, miam miam. Du coup, il fallait que ce soit lui le goûteur officiel. En fait, j'ai fait le meilleur crossover depuis les Avengers. Ça, on dirait vraiment une chimère. Une quoi? Une chimère aléatoire. Genre. C'est quoi chimère? C'est parce que c'est une chimère. Non. C'est juste le mélange de deux trucs. Mais un mélange quoi. Oui, voilà. Fais chier, mais... Tu peux goûter? Ça croustille comme ça. Il y a un beans, c'est pas censé faire ce bruit là dans sa bouche. C'est du caillou. Après cet échec cuisant, enfin croustillant en cuisine, je profite du beau temps pour faire la meuf sur Instagram. Et je me pose pour taffer sur tous les mails parce que même si le marché est un petit peu compliqué en ce moment, avec mon assistante on essaye un petit peu de sauver les meubles. Donc voilà pour cette fin d'après-midi. Dans la tenue de sport. Enfiler la tenue Ocean's Apart, sachez que c'est déjà du sport en soi-même. Tu vois comment c'est tendu là? Comment c'est moulant, il n'y a pas un pet d'air. Et j'ai la flamme de fer. Purée!
En fait, c'est vraiment genre les 8 premières minutes qui sont trop dures à passer. Et une fois que tu rentres dans le truc, ça va. Tu regardes l'épisode? Vas-y, je vais commencer. Oui, 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 je sais, c'est le mauvais générique des Marseillais. Là, c'est marqué Amérique du Sud. Là, ils sont aux Caraïbes. Je le trouve pas sur Internet. Ça fait une heure que je cherche et j'ai tapé tous les trucs génériques des Marseillais 2020 et tout. Aidez-moi à le trouver. Il est pas sur YouTube, ok? Donc j'ai pris celui-ci. Pas besoin de me dire en commentaire, c'est le mauvais truc des Marseillais parce que je le sais. Voilà où j'en suis dans mon montage. Bon visionnage. Il n'y a tellement plus rien à manger que j'ai fait une salade, elle est à la salade. Il n'y a que de la laitue dedans. Mais c'est mon bébé, je l'adore. C'est le iPad, c'est pas le cher. Parce qu'il y a un iPad, il a 900 balles, MDR. J'ai un ordinateur chez vous, un téléphone, il faut que je paye en plus une tablette. J'ai pris l'iPad qui était à 300€, c'est pas le nouveau, mais il est génial. And now, the end is near. So I feel. Les gars, j'interromps mon programme de dormir. J'étais sur TikTok et j'ai vu, il y a un plot twist. Jusqu'à j'ai appelé Seb pour lui montrer. Et on va tester l'expérience en live direct. Silver lining in here. And then when you open up the silver lining, there should be a little knife to open Nutella. C'est bon, t'es prêt? Je pense que c'est un fake, bien fait. T'as l'alu là? Il y a même pas d'alu. C'est des menteurs. Non mais j'étais posée dans mon lit, vraiment confortablement, je me suis levée tellement j'étais excitée par ce truc et c'est un prank. Je suis tellement content moi d'être encore dans mon lit, regarde. Je vais lui faire un commentaire, je vais dire menteur, tricheur, arnaqueur, voleur. Il y avait rien sur mon opercule. Mais t'as pas eu le réflexe de juste regarder les commentaires avant? Ah putain, c'est pas con ça. Wesh. C'est genre con même. Moi c'est le matin qui est le plus dur. J'ai l'impression que je suis en train de me lever pour revivre la même journée que hier et avant-hier. Regardons où est-ce que je devrais être actuellement. Ah, vendredi, premier jour de Coachella. Je vais m'habiller en mode Coachella pour l'occasion, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y, qu'est-ce que je peux foutre de ma journée aujourd'hui? Coucou, t'es prêt pour ton premier jour à Coachella? Je suis préparé pour aller à Coachella. Oh wow. Dans un jour, il y a un an, jour pour jour, on était là. Ouais. Ok, donc j'ai dit sur les dents et personne ne me le dit. Vous êtes vraiment mes potes en fait, hein. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'appel au don de crème hydratante pour les mains, pour les soignants, avec ma copine Élise. Ça fait pas mal de bruit, on a été contacté par pas mal de marques, beaucoup ont fait des dons. À force de se laver les mains, tu sais, avec le gel anti... bactérien, et bah ça te nique les mains à force, pardon je suis vulgaire, ça te ruine les mains à force. Alors le mouvement a pris deux parties, celui de toutes les personnes qui m'ont énormément insulté. Ça a été transformé un peu en n'importe quoi, ça s'est transformé en Léna situation, la youtubeuse, offre du maquillage aux aides-soignants. Du coup le message il a complètement été parti en n'importe nawak. J'avais un petit peu démoralisé, je vous dis la vérité, mais au final, il y a plein de marques, il y a les grands groupes, il y a les plus petites marques qui veulent aussi participer. Nous on peut livrer Paris et banlieue, donc les crèmes qu'on va recevoir chez nous, et les marques qui ont plus de dispositifs, qui est le plus global en France, vont pouvoir envoyer partout dans la France. Et nous, on livre les hôpitaux, les EHPAD, les professions libérales. On essaye de ne pas oublier les gens. Genre les réseaux sociaux, ça peut vraiment faire des trucs cool. Donc voilà, tout ça pour dire un grand merci aux marques qui ont participé à notre appel. Grâce à eux, on a pu réussir à récolter au total plus de 100 000 crèmes. Et aussi, j'aimerais rajouter, même si je pense que ça ne va pas rentrer dans leurs oreilles, que toutes les personnes qui prennent du plaisir à niquer l'ambition de quelqu'un, à essayer de faire quelque chose de mieux sur les réseaux sociaux, ça rend la chose tellement compliquée pour le futur. Et en fait, à un point ou à un moment où toutes les personnes qui ont une plateforme avec de l'audience ne voudront jamais prendre parti d'un message. Parce qu'en fait, à un moment, tu te prends tellement de claques que tu ne comprends pas, parce que de base, l'acte est un acte de solidarité. Donc on est tous ok sur le fait de se dire on va aider ceux qui sont en train de travailler. Tout est effacé par une vague de haine qui arrive. Et avec cette attitude, tous les futurs actes de solidarité
Les gens, ils vont réfléchir, ils vont dire ok, moi j'ai trop envie de le faire, mais je peux pas partager parce qu'après je vais me faire niquer et ci et ça. Et c'est pas la bonne voie parce que en continuant comme ça, plus personne ne pourra jamais rien faire à cause d'eux, tu vois. Parce que je te promets que quand tu reçois 300 messages comme ça, ça peut paraître très futile, mais à un moment, ils rentrent dans ton crâne, tu vois. Donc mes chers amis, moi j'essaye de passer outre, mais ça reste quand même dans la tête, tu vois. Conclusion, fermez vos grosses gueules, quoi, c'est tout, merde. J'ai une to-do list, mon frère, elle est interminable. J'ai toujours mes petites to-do list que je fais à l'iPad. Ça ressemble à ça tous les matins. Ça, c'est une vieille to-do list, mais comme ça, au moins, il n'y a pas de trucs secrets. Il y a tout ce que je dois faire toute la journée. Et après, dès que j'ai accompli une petite tâche, voilà un peu comment je m'organise au quotidien. J'en fais une aussi par mois avec des objectifs. Tout à l'heure dans la douche, mon cerveau il s'est dit viens si tu faisais un petit post Instagram avec tes moments de vie. Et du coup à chaque fois que j'ai une idée, genre je suis obligée de la faire maintenant, sinon je la ferai jamais. Donc je suis en train de préparer un petit post Insta. En ce moment j'adore créer du contenu sur Instagram. Oh, oh, à l'instant 1,5 million. Je vous jure, j'ai un jeu d'actualité pour vous montrer mon profil. Oh purée! Comment je vais m'occuper d'eux? Abonné qui m'a envoyé un message pour me dire que Cyprien est en live sur Twitch et il est en train de redessiner une de mes miniatures, enfin de dessiner une de mes miniatures. Je suis un peu chouque parce que ouais, j'étais au collège, je regardais ces vidéos. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit Léna, on dirait Caris. C'est TikTok sur YouTube. Je me fais belle pour les rayons du Monoprix. Traveling in packs that I can't carry anymore. Waiting for somebody else to carry me. There's nothing that's there for me at my door. All the people I know aren't who they used to be. And if I try to change my life one more day, there would be nobody else to save. And I can't change into a person I don't wanna be so. Comme vous pouvez le voir à ma gueule, je viens de me réveiller d'une sieste. J'aime pas faire la sieste. Je n'aime pas, je n'aime pas. Les siestes de 20 minutes, c'est un régal, c'est génial. Les siestes d'une heure et plus c'est affinité, c'est un enfer. Donc là, je suis en train d'essayer de me battre avec moi-même pour pouvoir me réveiller. Ça tombe bien car le facteur a sonné. Ça, je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur mon influenceuse préférée, Zoella. Il y a des influenceurs comme ça, genre je sais que quand ils parlent d'un produit, j'y crois pas parce que c'est forcément sponsor ou c'est des vendus, tu vois. C'est un peu horrible à dire. Mais il y a des influenceurs, genre je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais genre tu perces qui sont genre sincères quand ils parlent d'un produit. Et là, ça me donne une youtubeuse, genre je sens qu'elle est honnête quand elle parle d'un produit. C'est des patchs pour les yeux, tu sais, genre que tu mets là sous les yeux, du coup. Putain, je suis con. Pour enlever les cernes, les yeux. Là-dedans, t'as 30 paires. T'as une petite cuillère. Fun fact, je déteste manger avec une cuillère. Maintenant, je vais me poser pour faire une story Insta. C'est une nouvelle catégorie de story que j'ai appelée shopping situation. Et en gros, c'est genre un peu la réponse collective à toutes les questions que je reçois au cours de la semaine sur ce que je porte, avec les liens, les prix, les tailles, etc. Et je reçois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de DM. Et j'aime pas quand les gens ils me parlent, je peux pas répondre. C'est un peu comme si quelqu'un tu vois dans la rue, tu lui poses une question, genre il te répond pas. C'est un bâtard un peu de pas te répondre. Et j'ai pas envie d'être une bâtarde. J'ai bien avancé sur mon taf. Du coup, c'est cool parce que depuis le début du confinement, bah, je sais pas, peut-être un petit peu comme tout le monde. Moi, j'étais vraiment pas du tout dans le mood de faire des trucs. Ce confinement aussi, il fait penser à beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, ces premières semaines de confinement, c'était pas du tout à l'inspiration créative ou l'envie de me poser, de monter un truc qui date d'une époque où on pouvait tout sortir et tout, et de le poster comme ça en plein milieu de toutes les actus et tout. Voilà, c'est les voix dans ma tête depuis le début du confinement. Penser à des choses que tu prends pour acquis depuis genre le début de ta vie, alors qu'au final quand ça sont plus là, ça te perturbe beaucoup, tu vois. Et tu vois, genre ça te montre aussi l'importance des personnes dans ta vie. Maintenant je comprends pourquoi mon chien il est aussi excité quand on lui dit qu'on va sortir. Je vous dis la vérité, moi j'ai vachement culpabilisé quand je regardais le confinement des autres. J'étais en mode oh, je fais de la cuisine, elle est ratée, je fais du sport, je tiens 5 minutes. Tout le monde est en train de dire qu'il faut absolument rentabiliser ce temps, être supra productif et tout, alors que vous me connaissez, enfin pas. Tout ce qui est productivité, ça fait vraiment partie genre de mon sang, de mon âme. Et toute la journée, je pousse les gens à vivre leur rêve et aller vers ce quoi ils veulent aller et tout. Mais on est en train de vivre une période qui est compliquée et émotionnellement, on gère pas tout ça de la même façon. Et franchement, moi j'ai une grosse pensée à toutes les personnes qui font de l'anxiété. Je pense aussi à tous les étudiants qui se sont retrouvés du jour au lendemain
livrés par eux-mêmes. Enfin, tout est bousculé pour tout le monde et peut-être que t'as pas envie de faire du yoga à 15h, quoi, merde. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, j'en suis désolée. Puis voilà, ça m'a fait du bien aussi. Donc bon, les plans de tout le monde sont bousculés, chacun deal avec ça. Bon courage à vous pour gérer toutes ces émotions. Ne vous faites pas avoir parce que certains influenceurs vous font culpabiliser. Chacun son rythme et n'oubliez pas que la clé numéro 1 de la productivité, c'est de prendre du repos et d'avoir un corps en bonne santé, bien reposé pour pouvoir travailler. Dites-vous que vous n'êtes pas en train de perdre du temps puisque le temps il est arrêté pour tout le monde. Donc tu peux pas perdre ton temps. Est-ce que je garde la robe bleue ou la robe noire? C'est la même. Noire, d'abord. Ok, mais j'aime bien la bleue, je crois que je préfère la bleue. Il est 20h02. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. Oh merde. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus. Et ouais, on est encore chez nous. J'ai hâte de retrouver ma vie, de revoir mes amis, de vous montrer tous les projets sur lesquels je suis en train de bosser, de vous montrer le nouvel hôtel Mafouf, de voir mon copain. C'est quoi? Je mets Kelly en premier, Chanel en deux, Céline en trois. Ah, t'as mis et Yves Saint Laurent rose en quatre. Est-ce qu'il y a 6 mois, vous savez ce que c'était avec Kelly? Non. L'échange de culture. De voir mon papa, de reprendre le travail, courir, de galoper sur ma trottinette électrique, de boire un putain de réfrigérateur à citron vert. Et puis de vous voir aussi, wesh. Ça fait super longtemps que j'ai pas croisé un abonné. Et je sais que vous aussi, vous voulez tellement retourner à votre vie d'avant. Mais pour ça, faut qu'on continue de rester chez nous. Bisous les copains. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. Ciao. Tu trouves pas que je ressemble au souris aveugle dans Shrek? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Nobody can drag me down. Somebody come get here. Somebody come get here. J'ai de la musique de TikTok dans la tête, j'en peux plus. Why don't you say so? I need it, need it, need it. Somebody come get her. Somebody come get her.